Ouais, ben aujourd'hui, c'était toute une aventure. encore un peu n'importe quoi, hein. C'est toujours ça qui se produit. Il a fallu que je prenne le bateau, vous m'avez vu tantôt. Et les deux Chinois, c'est une fête chinoise aujourd'hui! Sérieux, je vous dirais que c'est pratiquement impossible de scanner des paysages qui sont partout autour de nous. Et pour le côté un peu plus scientifique, on les appelle les formations karstiques montagneuses. Ouais, on est entouré par d'imposantes formations karstiques montagneuses. Le karst étant une structure géomorphologique résultant de l'érosion hydrochimique et hydrologique d'une roche solide. L'érosion étant le processus de dégradation et de transformation du relief causé par un agent externe. Bref, ben, c'est le temps, c'est l'eau, c'est le vent, et c'est des milliers et des milliers d'années qui ont formé les structures magnifiques qui sont autour d'eux. Bon, ça c'est pour la science. Mais sinon, ben, la rivière Lee, qu'on suit depuis tantôt, serait la rivière où l'on rencontre le dragon. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu, mais ce n'est qu'un début. Alors, ben, il faut continuer d'y croire. C'est quand même fou, hein, d'avoir tout ça autour de nous. C'est tellement beau et il faut prendre le temps d'en profiter. C'est pour ça qu'en marchant un peu et en se promenant en bateau, on a tout le temps pour imprégner ça dans notre tête. J'espère que vous avez aimé ça, et c'est pas fini pour la journée, donc continuez à me suivre. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Abonnez-vous, c'est important de vous abonner, puis suivre le reste des aventures. Alors, ben, on se reparle. Salut, là!